senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Thank you.
Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous voilà au dernier rendez-vous de cette 44e édition du meeting. L'existence humaine est une amitié inépuisable. Voilà un titre que nous avons désormais beaucoup entendu ces jours-ci et qui a été l'objet de nombreux dialogues et des nombreuses expositions que nous avons tous pu voir. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous avons eu la présence du président de la République italienne, Monsieur Mattarella, ce matin. Et comme je le disais, nous arrivons à la fin de cette rencontre en touchant un thème qui nous est très cher. Lorsque nous avons décidé d'organiser cette rencontre, il y avait eu depuis seulement quelques jours la terrible inondation dont nous allons parler, qui a beaucoup touché l'Italie. Et nous avons tenu à le faire en parlant du titre de ce meeting, parce que ce qui nous a touchés, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de beaucoup de familles et de communautés dans les relations avec les institutions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de donner comme titre à cette rencontre une amitié qui déborde, une solidarité qui reconstruit. Et nous l'avons fait parce que nous voulions mettre en évidence les expériences que nous avons vues se produire au fil de ces jours. Je suis très heureux que nos invités aient accepté d'intervenir. Il y en a certains qui ne sont peut-être pas habitués de parler en public ou en tout cas devant ce type de public. Et puis d'autres qui représentent les institutions. Je présente nos invités, je vous explique le format de notre rencontre et je ne perds pas plus de temps. Alors, pour commencer, Véronica Missioni, elle est de Forlì. À côté d'elle, Michele De Pescari, qui est maire de Ravenne et président de l'Union des provinces d'Italie. Merci, monsieur le maire, d'être parmi nous. Carlo Battistini, qui est président de la Chambre de commerce d'Émilie-Romagne. Nous avons aussi l'autorité religieuse, parce que nous avons aussi Leonardo Poli, qui est le curé de Lugo, une ville de la région. Et avec un équilibre un peu discutable, mais nous avons une autre personne qui vient de Lugo, Lorenzo Bernardi, qui est responsable de la communauté de Communion Libération. Et puis je suis particulièrement reconnaissant d'avoir parmi nous une personne qui a accepté notre invitation. Il a été nommé juste après que nous ayons prévu cette rencontre. Donc nous avons parmi vous le général Francesco, qui est commissaire extraordinaire pour la reconstruction. Donc merci d'être parmi nous. Comme nous le savons, le meeting n'est pas un espace de contradiction, il ne s'agit pas de,
de se contredire. Donc le but d'aujourd'hui, c'est d'entendre des témoignages. Et puis nous demanderons au général de nous rejoindre à la fin pour pouvoir recueillir ce qu'il aura entendu et nous dire ce qu'il a à dire. Alors je vais commencer par le père Léo, qui est le curé de Lugo. Merci à tous. Ces derniers jours, la presse m'a défini comme un prêtre des rues. Je vous avouerai que c'est une étiquette qui ne me va pas très bien. Mais en tout cas, je ne suis pas un prêtre de scène, donc ayez pitié de moi. Donc ce qui s'est passé en Roumanie au mois de mai a été un drame extraordinaire. Je l'appelle un drame et pas une tragédie. Parce que ce qui l'a emporté, ce n'est pas le désespoir. Et dans le drame, nous avons vu une vague de bien qui marque notre vie, celle de la communauté et celle de toute la ville de Lugo. Le 2 mai, il y a eu une première inondation qui a touché seulement quelques villages. Et pendant 2 jours, je suis allée travailler avec l'hydro-nettoyeuse. Et dans les jours suivants, je racontais cette belle expérience que nous avions faite comme un fait de chronique. Mais lorsque le 16 mai, avant d'aller me coucher, j'ai reçu sur WhatsApp une vidéo qui montrait une zone où l'eau avait atteint le 3e étage. Et dans les maisons qui étaient dans le noir, on entendait des voix qui criaient « à l'aide, à l'aide ». J'ai pensé cette nuit, on ne peut pas dormir. Il faut prier et veiller pour commencer à juger et comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce qui se passe. Alors j'ai passé toute la nuit à alterner le chapelet et la lecture de l'autobiographie de Takashi Nagai, « Ce qui ne meurt jamais ». Et à un moment donné, cette personne, Nagai, dit « À partir d'aujourd'hui, il faut offrir un sacrifice plus grand que la bombe atomique, le sacrifice de nous-mêmes, pour pouvoir être joyeux dans la douleur. » Et ces mots, je les perçus comme une immense tendresse de Dieu. Dans la nuit entre le 16 et le 17 mai, sans aucun préavis, l'eau a touché aussi notre ville de Lugo et nous sommes réveillés avec, dans certaines zones, 1,5 mètre d'eau et les conséquences qu'il y a avec, des appartements dévastés, des voitures à jeter à la casse. Mon centre opérationnel ces jours-ci est devenu, pendant ces jours-là, est devenu le gymnase de la ville, où la ville avait organisé un centre d'accueil pour les plus de 300 réfugiés. Et comme il n'y avait pas assez de personnes, ils sont venus me voir aussi pour de nombreuses nécessités, les couvertures, les draps, les lits pliants, les aliments. Pas la Croix-Rouge, mais les travailleurs ont demandé des cigarettes. J'ai dépensé 500 € en quelques jours pour les cigarettes. Et en ayant un groupe WhatsApp avec des paroissiens, chaque demande, je la mettais sur ce groupe avec un message. Et en peu de temps, les réponses arrivaient en surnombre. Presque tout de suite, j'ai demandé aux jeunes lycéens du mouvement de venir nous aider, en particulier une 20aine de jeunes qui étaient la dernière année en terminale. Donc pendant 10 jours, ils ont mis de côté leur révision pour venir aider dans chaque aspect, le secrétariat, le ménage, la distribution des repas, changer les personnes âgées qui ne pouvaient pas aller aux toilettes, faire jouer les enfants, chanter le soir. Donc un spectacle qui a beaucoup provoqué différentes personnes qui travaillaient là. Dès que l'eau a commencé à descendre, les gens sont allés dans la rue pour commencer à s'entraider. Et l'étrangeté a été
entre les uns et les autres a été balayée par le désir d'aider, que ce soit un voisin, un ami, mais souvent aussi des inconnus ou des personnes avec lesquelles on pouvait être fâché jusqu'à la veille. Les jeunes de Lugo ont créé un groupe qui a atteint très rapidement 700 membres pour signaler là où il y avait des besoins. Et à la paroisse, on a organisé un restaurant pour 150 ou 200 bénévoles qui sont arrivés de partout. Cela peut sembler un paradoxe, et cela l'est effectivement, mais de fait, les inondations nous ont permis de voir un spectacle de gratuité et on a pu parler de joie et de plénitude. L'exigence de sauver les objets chers que l'on avait a été accompagnée par un désir de bonheur en essayant d'aider l'autre. On a expérimenté que aider l'autre nous fait du bien, qu'on se réalise dans la relation avec les autres, parce qu'on est fait et voulu. Nous avons été pensés comme relation. Une relation qui n'est pas une possession, mais un amour gratuit. Et cela, on l'oublie souvent, parce que pour nous, la réalité, ce sont les choses. Et nous les affrontons avec nos si, nos mais, pourtant. Mais lorsque nous les rencontrons vraiment, il s'agit de savoir saisir le cri, le besoin de sens qu'il y a dans la réalité, qui crie dans la réalité. Et on découvre que c'est quelque chose qui en soi est évident, mais qui ne l'est plus. Nous sommes appelés à abandonner la présomption de nous suffire et de faire les comptes avec toute notre pauvreté. C'est cela qui est notre vraie richesse, notre pauvreté, c'est-à-dire être des enfants aimés et non pas des maîtres de notre vie. Et ce qu'il y a de plus raisonnable, c'est de mendier. Regarder les autres, non plus comme des rivaux ou des ennemis, mais comme des alliés et des amis. Et tout cela, ça ne va pas de soi. Dans beaucoup d'endroits, il y a eu des désastres. Mais ce n'est pas partout qu'il y a eu des faits similaires. Nous avons vu la valeur ajoutée d'un peuple chrétien dans une ville, un peuple qui s'est formé au fil de ces décennies en suivant l'Église. Et moi, j'ai certainement été aidée pour suivre l'Église par le charisme de Don Giussani. Cette présence simple, humble, effective, qui a parcouru et animé toute la ville comme une vague positive de bien qui est entrée dans les maisons, qui a touché les personnes, qui les a contaminées. Ce spectacle de bien est devenu pour beaucoup un fruit d'espérance et d'une constructivité inlassable. J'ai compris encore une fois que l'Église n'est pas en crise parce que les gens ne vont plus à l'Église, mais elle l'est quand les chrétiens ne vont plus dans le monde et qu'ils ne perçoivent plus les interrogations dramatiques de l'homme, celles auxquelles le Christ seul peut répondre. Les projets pastoraux ne se font pas sur un bureau, c'est la vie qui les font. Et nous, il faut les suivre et se laisser provoquer par cela. Au contraire, dans cette circonstance dramatique, nous avons pu voir combien la foi est ce dont on a besoin pour pouvoir vivre en tant qu'homme et devenir compagnon de route de nos frères les hommes en soutenant l'espérance de tous. Un chanteur italien chantait « Il y a un centre de gravité permanent qui ne me permet pas de changer d'idée sur les choses et sur moi. » Ce centre de gravité permanent, nous l'avons tous, c'est notre cœur. Il faut des lieux, un peuple qui est clairement à l'esprit le sens positif de la vie et le destin dont nous venons tous et vers lequel nous allons tous, et qui nous aide à garder ce cœur vivant. Nous avons beaucoup perdu. Il faudra beaucoup de temps pour réparer les dommages, mais nous avons conservé la foi. Dans notre communauté, nous nous sommes redécouverts, non pas meilleurs, plus généreux, mais préférés. Préférer, c'est-à-dire aimer avant d'autres, privilégier,
rendu plus conscient que ce qui nous a été donné, c'est de rencontrer un bien pour chacun, pour tous, un bien attendu et désiré. Merci. Merci, Don Léo. Merci pour avoir touché de façon si concrète beaucoup des thèmes que dont nous avons parlé pendant ces jours au meeting. Parce que dès le début, nous avons souligné comment le titre de ce meeting parle d'une amitié inépuisable, mais qui peut l'être seulement parce que la source de cette amitié est inépuisable. Véronica, merci d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Je sais que tu tenais beaucoup à être ici sur scène et à parler à beaucoup de personnes. Alors, je ne suis pas habituée à parler en public, donc j'espère d'arriver à la fin. Je commence par vous lire une phrase que mon mari a choisie lorsque nous nous sommes mariés à mettre sur le faire-part. C'est une phrase d'un ami Vincent Neguel lors de son ordination à prêtre. Elle dit « Je n'ai pas de doute sur ce que je dois demander. Seigneur, tu sais que j'oublierai de te suivre et de dépendre de toi. Donc, tu devras toujours maintenir mon cœur pauvre et humble, capable de rien loin de toi. » C'est une phrase très belle. Et dès le premier soir de l'inondation, lorsque nous nous sommes échappés de chez nous, j'ai commencé à comprendre la portée de cette phrase. D'un instant à l'autre, je me suis retrouvée sans rien, sans ma maison parfaite, sans culotte. Et ça a été le passage des rires de nos enfants aux pleurs de nos enfants. On n'oubliera jamais leur visage à ce moment-là. Notre petite fille de 3 ans a dit « Un loup est entré chez nous et l'a tout gâché avec de la boue. » Et dès lors, j'ai commencé à demander « Seigneur, ne nous laisse pas tout seuls. » Et les premiers qui nous ont accueillis, ça a été nos voisins qui nous ont permis de loger chez eux. Ils ont joué avec nos enfants dans le noir parce qu'il n'y avait plus d'électricité. On a mangé ensemble, on a joué au loto. Ça a déjà été la première chose extraordinaire parce qu'on ne les connaissait presque pas, on se saluait à peine. Ensuite, le jour après, les secours sont arrivés avec un bateau, un canot, et j'ai vu l'eau qui avait inondé tout le quartier. Et on est arrivé 300 mètres au-delà, plus loin, il n'y avait plus du tout d'eau. Et donc, j'étais hyper fâchée. Je me disais, en fait, si notre maison avait été 300 mètres plus loin, on n'aurait eu aucun dégât. Et notre fille, à ce moment, s'est exclamée « Comme c'est beau d'être ici tous ensemble !» Et ça a été pour moi une illumination. Je me suis rendu compte qu'on était là tous ensemble et qu'on pouvait ne pas être là. Et que ce n'était pas moi qui faisais mon mari et mes amis. Les jours suivants étaient une explosion d'amis. On a reçu des vêtements pour une petite fille qui disait « J'ai tout reçu, qu'est-ce que je peux donner en échange à ces gens qui m'ont donné des vêtements ?» Et elle a dit « Je lui ai dit, tu n'as rien besoin de donner. Parce que c'est ton ami. » Et là, c'est le moment où j'ai vraiment compris que ce n'était pas moi qui pouvais rendre heureuse ma fille. Et je me suis sentie toute petite
Mais j'ai commencé à avoir une solidité que je n'avais pas avant, une solidité différente de celle que je cherchais jusque-là. Une autre chose qui m'a bouleversée, ça a été le rapport avec la fraternité de mon mari, un groupe d'amis que fréquente mon mari. Et je ne comprenais pas pourquoi mon mari était autant attaché à ces personnes. Mais là, pendant ces jours-là, j'ai vraiment découvert ceux qui les liaient parce qu'ils sont venus. Ils nous ont aidés même dans l'aspect économique. Et je me suis vraiment émue de cela. J'ai compris ce qui les liait. C'était le fait d'être là l'un pour l'autre, mais surtout les yeux ouverts pour voir comment Dieu accomplit ta vie et celle de tes amis. Quand on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de choses qui nous manquaient, plein de choses pour notre fille plus petite nous manquaient parce qu'on les avait laissées dans le garage, elles ont été complètement inondées. Et parmi les objets qui nous manquaient, on a le lit pour notre petite fille aussi nous manquait. Et un de ses amis nous a appelé, nous a dit qu'ils avaient des choses à nous donner pour les enfants et qu'ils avaient justement un lit pour un berceau pour un enfant et que c'était le berceau qu'ils avaient utilisé pour leur enfant qui était mort après quelques mois. Et j'ai vraiment pensé que le Seigneur ne laisse rien au hasard. Ensuite, Don Carlo nous a proposé d'aller vivre dans la maison de paroisse. Et encore aujourd'hui, nous sommes dans cette maison. Moi, je suis habituée à rester dans mon coin. Je suis une personne très renfermée. Et aujourd'hui, quand je sors et rentre de chez moi, je dois passer par la paroisse. Donc, je croise tous les jeunes qui fréquentent la paroisse. Je croise aussi la secrétaire de la paroisse qui nous a vraiment accueillis avec une générosité incroyable. Tant que mes filles lui ont demandé si elle voulait devenir notre troisième mamie, grand-mère. Et ça m'émeut particulièrement parce que une des questions que j'avais pour mes filles, c'était qu'elles puissent grandir dans la compagnie du Christ. Et aujourd'hui, je vois que cela est en train de s'accomplir. Moi, j'ai dit à mon mari que j'étais sûre que le Seigneur ne nous aurait pas abandonnés. Ça a été très difficile. On est en pleine reconstruction de notre maison et on a plein de questions encore ouvertes. Est-ce qu'on peut retourner dans notre maison, par exemple? Est-ce qu'on n'aura pas une autre inondation l'année prochaine? Mais dans toute cette difficulté, on voit la compagnie du Seigneur qui nous supporte avec un temps parfait et de façon inattendue. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Par exemple, on n'a pas de lave-vaisselle. J'ai beaucoup de choses qui me manquent, mais je suis heureuse parce que l'essentiel est là. Et l'essentiel, c'est le fait d'être aimée. Donc, c'est vraiment la chose que disait la phrase, n'être capable de rien si on est loin de toi. Mais avec la compagnie du Seigneur, on peut se permettre d'être patient, ce mot que mon mari et moi, nous avons redécouvert. Merci. Heureusement que Véronica était timide. Merci Véronica. Je n'ajoute rien à ce que tu as dit et nous continuons parce que je pense que nous touchons du doigt, en tout cas moi c'est sûr, pourquoi nous avons choisi comme titre que c'est une solidarité qui reconstruit. Lorenzo, à toi. Bonjour à tous pour cette invitation. En pensant à ce que je devais dire en cette occasion, en espérant aussi être un peu plus claire, j'ai résumé en trois étapes, en trois éléments, ce qui s'est passé. Premièrement, qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'habite moi aussi à Lugo, je suis mariée, j'ai trois enfants et la nuit du 17 mai, ma maison vers 1h du matin a commencé à être inondée. Nous étions réveillés à ce moment-là, nous avons essayé avec des tentatives désespérées d'essayer d'affronter une situation dont nous avons bien compris rapidement qu'elle était bien plus grande que nous ne pouvions pas l'arrêter et nous l'avons
nous l'avons compris au moment où l'eau a commencé à monter depuis le sol. Et donc avec ma femme, on faisait tout ce qu'on pouvait pour l'arrêter. Et là, j'ai compris clairement que j'étais totalement impuissant. C'était quelque chose de tellement plus grand que je ne pouvais rien faire. Et alors avec un peu d'angoisse, je suis allée me coucher parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas jusqu'où irait l'eau le lendemain. Donc je suis allée me coucher avec l'angoisse, mais aussi avec une question, un désir inextirpable qu'il y ait un sens quelque part, que ça ne soit pas seulement quelque chose qui m'assaille et c'est tout. Alors le lendemain, le jeudi, vers 5 heures, quand je me suis réveillée, il y avait 50 cm d'eau sur tout le rez-de-chaussée où nous avons la cuisine, la buanderie, le salon, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Deuxième étape, ce que j'ai vu pendant ces jours-là, tout de suite après. Dès le matin du vendredi, quand l'eau a commencé à redescendre, on a commencé des journées de travail intenses, très difficiles. Mais j'ai commencé aussi à voir de mes yeux un spectacle de gratuité qui a été largement décrit dans les exemples précédents. Je vais donner quelques exemples qui concernent mon expérience personnelle. J'ai vu un peuple d'amis, de membres de la famille, de bénévoles, de collègues de travail qui, par exemple, pour ma famille, ont hébergé mes enfants pour dormir. Ils nous ont donné un dîner, une douche quand on ne pouvait pas. Ils ont lavé notre linge. Ils ont essayé de sauver nos appareils électrodomestiques. Mes collègues de travail, ils se sont occupés de cela. Et je me souviens en particulier parmi les nombreux bénévoles inconnus, deux jeunes filles qui, le journée de la samedi, ont été orientées sur notre salle de bain où il y avait 70 cm d'eau. Et avec des brosses à dents, centimètre par centimètre, elles ont nettoyé de la boue. Et à un moment donné, tout d'un coup, dans la journée, j'ai vu le sourire et la joie de ces deux jeunes filles à genoux qui nettoyaient chaque carreau un par un à la brosse à dents. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grand. Et la première chose grande qui se passait, c'est que sans avoir besoin d'y penser plus que ça, je me suis découvert libre. Libre d'avoir besoin, libre de recevoir de l'aide même de personnes que je ne connaissais pas, libre de n'avoir rien à défendre. Et cela, ça correspond profondément au cœur de l'homme. Je pourrais continuer pendant longtemps, mais je résume parce qu'il y a des choses qui ont déjà été dites avant. Mais c'est comme si, au niveau général, parce que ça s'est arrivé chez moi, mais aussi dans toute la ville, c'est comme si c'était briser la distance qui souvent dans les relations, même les plus proches, s'introduit en créant d'abord une indifférence et parfois même une distance du cœur. Et dans ces jours-là, elle s'est immédiatement rompue et j'ai pu constater et rendre évident dans deux aspects qui ont été essentiels pour moi. Le premier, c'est que l'autre, que ce soit quelqu'un que je connaisse, que ce soit un voisin, était totalement lié avec moi. Son problème me concernait. Et cela parce que se dégageait clairement que la nature de l'homme est celle de s'intéresser à l'autre. Et c'est ce à quoi le mouvement nous a toujours éduqués. Cela se voit dans un épisode que je vais raconter. Au moment où il a fallu jeter les choses qui étaient abîmées, c'était très clair, c'était évident. Est-ce que c'était utile ou pas? Est-ce que ça servait ou est-ce que c'était superflu? Dans cette expérience qui a caractérisé ces jours-là de façon aussi claire, et c'est très juste de l'appeler une beauté, je le reconnais, même si c'était difficile, il y a une question qui est née en moi et chez certains amis. Qu'est-ce qui nous empêcherait de vivre tous les jours comme cela? Comment est-ce qu'on peut se traiter de cette manière toujours et pas seulement dans ces moments-là? Comme ça, on a invité Davide Prosperi, le responsable de Communion Libération, à Lugo. Et je vous lis un passage qui m'a beaucoup touchée et qui est lié à cette question. Parce que lors de cette assemblée, il a dit « Au moment où on se pense autonome, indépendant, et on pense qu'on n'a plus besoin de ce lieu,
qu'on n'a plus besoin de cette éducation, la boue recommence à se déposer et à se solidifier. Et on ne s'en aperçoit même pas. Et dans ces moments-là, plus que jamais, on se rend compte de l'importance, de l'urgence pour notre vie, non seulement dans l'immédiat, mais même toujours, même quand il n'y a pas d'urgence, de l'importance de cette compagnie guidée vers le destin, c'est-à-dire de notre amitié. Parce que demain, on n'aura plus besoin de gens qui viennent nous aider à nettoyer les murs de la maison, mais on a besoin de ce ménage de notre cœur. Et dernière étape, je me suis demandé qu'est-ce qu'il me reste aujourd'hui de ces journées-là. J'ai retenu deux choses dans mon expérience et j'espère que cela pourra être utile. Si le fait que j'ai besoin de l'autre pendant ces jours-là, que je le connaisse ou pas, était nécessaire pour me relever, maintenant que ma maison est à peu près vivable, on y habite, je peux dire que ces inondations, dans leur aspect le plus profond, ont donné chair à un point qui est un chemin, c'est-à-dire que pour être moi-même, moi, aujourd'hui encore, maintenant encore, j'ai besoin de toi. L'autre point que j'ai retenu dans mon expérience, et je m'arrête là, mais je vais donner un exemple, c'est un fait qui est arrivé il y a une semaine, pour le 15 août. Une amie qui avait elle aussi été inondée et qui habite elle aussi à Lugo, elle ne vivait plus chez elle, elle avait déménagé dans une ville proche où il n'y avait pas eu de dégâts. Donc, dans les premiers jours, elle était allée nettoyer sa maison et elle l'avait mise un peu en ordre, mais il y avait des aspects qui faisaient qu'elle ne pouvait pas encore rentrer. Donc, elle avait décidé de rester près, dans sa famille, là où elle était. Mais au fil des semaines, elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Et au fil des semaines, on voyait de plus en plus les dégâts à moyen terme, donc les parquets qui commençaient à se détacher, les murs qu'il fallait encore repeindre, les problèmes dans la cuisine, les électrodomestiques qui ne marchaient pas, etc. Donc le poids, parfois caché, de devoir affronter tous ces problèmes, et souvent on ne sait même pas par où il faudrait commencer. Donc mon amie a décidé de ne pas rentrer à la maison. Et elle continue au fil des mois ses problèmes, ce malaise. Et puis un jour, précisément le 15 août, un ami au bord de la mer avait perçu ce malaise qu'il y avait, s'implique dans cette situation. Donc il décide de rompre la distance et il demande s'il peut l'aider, s'il peut lui tenir compagnie pour regarder les différents aspects techniques qu'il fallait affronter pour rentrer chez elle. Et c'est ainsi que le 15 août, en se baignant dans la mer, naît une équipe de 4-5 personnes dans laquelle il y a un architecte, un charpentier, etc., qui le lendemain, le 16 août, se retrouvent chez elle pour programmer toutes les interventions à faire et l'aider à affronter cela. Samedi dernier, ils se sont retrouvés pour repeindre la maison. Donc voilà. Si le premier point que je porte dans mon cœur, c'est que j'ai besoin de toi, oui, mais j'ai besoin d'un regard, de ce regard que cet ami a eu à l'égard de cet autre ami. J'ai besoin d'un regard de cette nature qui ne laisse de côté personne. Un regard qui reconstruit les maisons, parce que nous suivons les problèmes qu'elle a à résoudre, mais qui reconstruit surtout les personnes. Donc merci. Merci Lorenzo. Et merci Don Leo, Veronica et Lorenzo à nouveau pour nous avoir témoigné ce qui vous est arrivé et qui, je pense, peut valoir pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas vécu cette inondation. Ce matin, le président de la République citait un titre du meeting d'il y a quelques années qui disait « Tu es un bien pour moi ». Et il a raconté le parcours qui nous a mené au titre de cette année.
Donc nous avons vu comme il n'est pas forcément nécessaire que ce soit d'abord les institutions qui doivent bouger, et pourtant les institutions sont là, elles sont au premier rang. Et donc maintenant, nous allons demander tout d'abord à Carlo Battistini, qui est président de la Chambre de commerce du territoire et qui a pu toucher avec main ce qui s'est passé aux entreprises locales, pour les entreprises locales, qui sont faites de personnes. Donc on lui demande de nous raconter quelle a été l'expérience de ces derniers mois et comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant. Donc il s'agit d'une région très importante pour l'économie. Les interventions que nous venons d'écouter ont bien fait comprendre quelle est la situation des personnes qui ont vécu sur leur peau cette expérience de l'inondation. Mais parlons aussi, observons aussi les données de ce contexte. C'est une zone géographique qui est faite d'1,664 000 habitants. Elle a un profit qui produit 32 milliards l'année. Et elle a 360 000 hectares occupés. Dans ce territoire, il y a 26 309 entreprises, parmi lesquelles 9 000 ont subi des dégâts. Donc la portée est immense. Ce qui se traduit pour l'année 2023 par rapport à un scénario des prévisions pour l'économie de cette zone qui suivait les prévisions des années passées. On était toujours un peu en positif d'habitude par rapport aux prévisions. Cette année, on a des énormes pertes. Et la chose qui nous a touché le plus, c'est que la consommation continue. Il y a une perte des volumes. Mais grâce un peu aussi à l'inflation, on continue de dépenser, donc la consommation ne s'abaisse pas. Mais il y a le 5,2% en moins de l'agriculture. L'agriculture dans cette zone est au centre de l'industrie. Il y a une énorme culture de fruits et de légumes. Et il y a toute une énorme filière agroalimentaire qui était en croissance et qui exportait énormément. Ça, c'est le premier domaine qui a été énormément touché. C'est une zone qui est faite surtout d'entreprises familiales. Il y a environ 21 000 petites micro-entreprises. Dont le 90% est fait de moins de 9 dépendants employés. Et même les entreprises qui font 150 millions de facturation, qui facturent 150 millions l'année, sont des petites entreprises familiales. Il y a énormément de coopération dans notre territoire et il y a énormément de liens commerciaux, donc c'est une chaîne d'approvisionnement, c'est une chaîne productive qui est faite de proximité, de voisinage, et ça nous a permis aussi d'être résilients après la pandémie, parce que en 2021, notre zone a été
a créé plus de profits par rapport à tout le reste du pays grâce justement à ces liens. Et ça, c'est justement notre richesse, notre force, cette solidarité entre entrepreneurs. Il y a énormément d'associations, pas seulement des associations à profit, mais il y a énormément de volontaires aussi, de volontariat. Donc ça, c'est un peu le contexte de notre région. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit observer les données et à partir des données, faire des choix politiques. Donc la Chambre de commerce, grâce aussi à la solidarité du système de toutes les chambres de commerce et de la Chambre de commerce de Faïence, c'est tout cet ensemble de chambres de commerce a doublé l'argent à disposition. Elles se sont mises ensemble afin de reconnaître la valeur de ces entreprises sur ce territoire. Elles ont voulu souligner la valeur de ces entreprises qui sont vraiment un point de référence, un point de repère pour la communauté. Et elles ont mis en place des solutions innovatives. Aujourd'hui, nous avons environ 250 000 requêtes d'aide, d'accès à ces fonds. On est en train de les distribuer. Et on a aussi créé une app qui s'appelle Résister, qui a été faite par une start-up qui s'appelle TrueScreen, qui permet de signaler si on a subi des dégâts lors de l'inondation. Ça et cette app, si on fait une demande à travers cette app, ça suffit pour avoir accès à ces fonds, pour permettre à l'entreprise, à une entreprise de se relancer, de se reconstruire. Et comme j'ai déjà dit, c'est en grande partie des micro-entreprises, celles qui ont été touchées. Nous sommes conscients que c'est très peu, mais c'est ce qu'on pouvait commencer à offrir. Et j'aimerais citer le fondateur de la théorie économique moderne, Adam Smith, qui est le fondateur du libéralisme. C'était un philosophe moral à Glasgow. Et 17 ans avant d'avoir écrit La richesse fondamentale des nations, il avait écrit en 1759 la théorie des sentiments moraux. Il dit que ce qui permet à l'homme d'agir, ce sont ses sentiments, c'est sa sympathie pour les autres. Il dit un homme qui vit dans un palais, dans un immeuble, il ne dort pas mieux, mais il le fait afin d'avoir une reconnaissance dans sa communauté et d'avoir la sympathie des autres. Moi, ce terme qu'il utilise, sympathie, aujourd'hui, je le pense comme amitié. Et l'amitié, c'est justement ce qui est à la base du libéralisme économique. Et je pense que ça nous apprend comment, dans les rapports économiques et dans le fait de créer des entreprises, il peut y avoir quelque chose qui nous donne un sens, une direction, et qui n'est pas seulement un intérêt économique, un profit immédiat. Je pense que c'est aussi une des valeurs qui, dans nos provinces, dans notre territoire, est à la base des liens qui ont émergé. Et dans les discours aussi, dans les témoignages que nous venons d'écouter par les témoignages de Lorenzo et Veronica, je pense que c'est un aspect fondamental de notre territoire. Qu'est-ce que nous avons face à nous? Nous avons sûrement des temps incertains, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de difficultés, mais je pense qu'on peut avoir confiance. Les entrepreneurs
sont allés au-delà de la pandémie, ils réussiront à dépasser aussi cette inondation. Ce ne sont pas des génies, ce ne sont pas des phénomènes, mais il n'y en a pas besoin. Il faut que nous fassions une réflexion, non seulement pour ce qui concerne l'agriculture, mais aussi pour ce qui concerne le tourisme. Il faut que nous cueillions cette situation de crise, de difficulté, pour comprendre non seulement ce qui s'est passé dans les dernières 10 années, dans les derniers 100 ans, mais pour regarder ce qui se passera dans les prochaines 10 années, parce que nous avons toujours des choix à faire. Surtout lorsque nous créons des entreprises, lorsque nous parlons d'économie, il faut que nous fassions une réflexion qui se base sur les données, sur la réalité, sur quelque chose de concret. Est-ce que nous voulons encore d'une agriculture telle qu'elle était dans le passé? Est-ce qu'on veut encore cultiver des pêches, des nectarines, les fraises? Est-ce qu'on veut encore avoir des entreprises qui font 3,5 hectares? Il est juste de continuer une tradition passée, mais il faut aussi avoir une vision future. Où est-ce que nous voulons aller? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de faire une réflexion très attentive, très profonde, et comprendre de quelle manière nous devons investir afin d'accompagner ces entreprises aussi vers une digitalisation, vers une innovation. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Et pour le faire, nous devons utiliser la raison. Je conclus en vous citant le chapitre 31, la fin du chapitre 31 des fiancés de Manzoni. Manzoni conclut ce chapitre sur la peste de cette façon. Je cite, « On pourrait... dans les petites choses comme dans les grandes choses, éviter ce parcours si long et si tortueux, en écoutant, pensant, comparant avant de parler. Mais parler cette chose seule est tellement facile par rapport à toutes les autres que nous, souvent les hommes, nous devrions nous compatir. Merci. Merci aussi pour cette provocation finale qui me semble très intéressante. Je pense que c'est intéressant que dans un moment dramatique comme celui-ci peut permettre de remettre en discussion aussi certaines dynamiques du tissu entrepreneurial. Et nous sommes curieux et nous avons confiance de voir là où cela nous conduira. Alors, le maire de Ravenne, vous êtes aussi président de l'Union des provinces italiennes. Jusqu'à présent, nous avons entendu comment la société civile, si vous me permettez l'expression, n'attend pas les institutions pour intervenir. Il y a un tissu social d'amitié, de communauté qui, heureusement, agit et intervient. En même temps, pour ceux qui ont la responsabilité des institutions, il faut parfois intervenir et parfois observer et favoriser comment ces dynamiques naturelles peuvent se développer. Je pense que nous avons tous vu les images de vous, monsieur le maire, sur le terrain pendant ces jours-là, parce que vous avez été énormément interviewé, on vous a beaucoup vu à l'œuvre. Donc, je vous demanderai non pas tant de faire la liste des très nombreuses choses qu'il faudra maintenant faire, mais de votre point de vue, de votre observatoire particulier, dire ce qui est arrivé. Alors avant tout, merci de tout cœur au meeting. D'une part, parce que ce moment est un moment très important de confrontation et nous entendons tous avec beaucoup d'intérêt les interventions et là, nous attendons beaucoup de l'intervention du général qui va intervenir ensuite. Et je le remercie vraiment d'avoir accepté cette mission à laquelle il a été appelé. Et merci pour cette initiative parce que ici, comme toujours,
Pendant ces jours-ci sont passés presque tous les acteurs de la vie politique, culturelle, sociale et économique de notre pays. Et presque tous ont dû, en entrant et en sortant, affronter ce thème si important pour notre territoire. Merci aussi au meeting pour ces trois récits que nous avons entendus, parce que c'est difficile de raconter cette circonstance pour ceux qui ne l'ont pas vécue. D'une part, parce que le chapitre inondation, événements météorologiques, climat, il suffit de taper sur Google et on en voit des dizaines tous les ans. Souvent, je ne le dis pas pour les diminuer, mais souvent, cela se passe sur des territoires très circonscrits, très réduits. Mais dans le récit des journaux, on finit par les comparer à ce qui nous est arrivé. Et deuxièmement, parce que le récit que vous avez fait, c'est notre photographie de notre histoire, de notre église historique. L'image du tremblement de terre, cette église du village de Nortcha qui est tombée, qui s'est effondrée pendant le tremblement de terre, dans une inondation où l'eau arrive et inonde tout, couvre de boue et s'en va. On risque de ne pas avoir cette charge émotive sur ce qui s'est passé. Donc l'image symbole, ce sont les histoires des familles de notre territoire qui ont traversé ces journées tragiques, ces journées si difficiles, et qui aujourd'hui, en circulant dans nos villes, on voit des maisons qui font que de l'extérieur, on a du mal à se rendre compte de ce qui s'est passé. Il y a des quartiers entiers, je pense par exemple à la ville de Faence. Dans ma région, c'est sans doute l'une des villes les plus touchées, peut-être en absolu, celle qui a eu le plus de dégâts. Et il y a des quartiers où, en circulant dans la rue, on comprend ce qui s'est passé parce que les bâtiments ont tous les fenêtres et les portes ouvertes. Donc ceux qui ne connaissent pas peuvent peut-être traverser sans se rendre compte de ce qui s'est passé. Et puis, il y a un immeuble de 4 étages sur 4 étages est devenu un squelette, parce que là, l'étage est arrivé de la colline avec une telle violence. Et la police provinciale de Ravenne, qui travaille dans la vallée, quand on l'a envoyé à Faence pour du sauvetage, ils sont allés en bateau intervenir, ils n'arrivaient pas à comprendre où ils devaient passer parce que l'eau dépassait les panneaux d'orientation dans les rues. Et c'était les familles depuis les toits des maisons qui leur disaient dans quel appartement, dans quelle maison, il pouvait y avoir une personne âgée seule ou une famille en difficulté. Ils ont sauvé des personnes qui avaient plus de 80 ans et qui, pour sortir de chez eux, ont dû passer sous l'eau. Ils ont dû les prendre chez eux, les faire plonger dans l'eau pour les sortir. Donc cette colline qui s'était dépeuplée déjà dans les années qui avaient précédé les inondations, parce que beaucoup de terrains agricoles avaient été abandonnés parce qu'ils ne portaient plus de fruits, qu'il n'était plus intéressant de les exploiter. Donc cette colline qui a eu plus de 1000 avalanches dans le périmètre des inondations, l'eau est arrivée dans les villes les plus proches de la Via Emilia. Et ensuite, nous l'avons vécu dans la plaine, dans les jours suivants, parce qu'ensuite, l'eau est arrivée à Lugo, elle a traversé Lugo, elle est arrivée jusqu'à une autre commune qui est devenue un autre symbole de l'inondation. Une commune de moins de 10 000 habitants qui a connu 3 inondations en 10 jours. Je ne sais pas si dans l'histoire de la République italienne, il y a une commune qui a vécu 3 inondations en 10 jours. Ils en ont eu une le 3 mai et 2 le 16 mai, de 2 fleuves différents. Donc une commune qui est au-dessus du niveau de la mer, à plus de 30 km de la mer. Et là, l'eau a stagné pendant presque 10 jours et il a fallu la pomper avec des pompes parce que le lieu était redevenu à son état naturel.
Ce sont des territoires qui, il y a 100-150 ans, étaient des marécages. Et grâce au travail des hommes et des femmes, ce sont devenus des terrains agricoles, des terrains vivables. Non seulement on avait chassé l'eau, mais on avait chassé aussi la malaria de ces territoires. Donc voilà ce qu'a été l'inondation en Romagne. Et c'est important de continuer à en parler et à le dire. Parce que face à un événement comme celui-là, il n'y a que la communauté qui peut répondre. Il ne peut pas y avoir qu'une part de la communauté qui répond, ni les institutions seules, ni les nombreuses expériences de bénévolat et de secteur tertiaire sans soutien à leur côté. Il faut s'entraîner. Personne ne peut penser qu'il peut y arriver seul. Dans ces jours-là, s'il n'y avait pas eu d'aide, ça aurait été impossible d'intervenir. Je suis entrée dans une ville qui s'appelle Borgo Sizza, c'est une petite ville de banlieue de Ravenne. Nous avons fait une rencontre jusqu'à 2 heures du matin. Je suis allée dans la ville d'une femme de 91 ans et qui m'a dit « J'ai passé toute la journée à pleurer et le lendemain, 20 jeunes sont entrés chez moi. Je ne les avais jamais vus, je ne savais pas qui c'était. » Et quelque chose qui me semblait plus grande que moi et impossible à affronter est devenu une montagne que je pouvais escalader. Mais 300 mètres ou 1 km plus loin, c'est une structure spécialisée avec les pompiers et l'armée qui ont fait une intervention que seule cette structure spécialisée pouvait faire pour aller sauver telle famille. Donc la structure spécialisée n'aurait pas résolu le problème sans les anges de la boue, et les anges de la boue n'auraient pas pu intervenir sans sauver cette vie. Les anges de la boue, c'est le nom qui a été donné aux bénévoles pendant cette période. Donc il a été très clair que chacun et chacune devait faire tout ce qu'il pouvait faire, tout. Transmettre un message de WhatsApp pour répandre une alerte, aller enlever la boue, donner un vêtement ou un jeu pour un enfant. Tout le monde devait faire tout ce qu'il pouvait faire. Et nous, avec le même esprit, nous avons besoin de l'avoir avec nous. Ici, nous sommes au meeting et je veux citer un autre meeting qui est plus petit, un meeting entre deux personnes. Dans les jours des inondations, il y a eu une rencontre qui s'est tenue dans une station-service à Forlì. À Forlì, dans une station-service, se sont rencontrés la présidente du conseil, c'est-à-dire la première ministre, et le président de la région. Ils ont fait la première réunion sur les inondations dans une station-service. Et pour moi, c'est une image extraordinaire. C'était l'image de deux personnes qui sont différentes, beaucoup de différences, qui sont tout à fait légitimes parce que nous sommes dans une démocratie. Mais à ce moment-là, pour pouvoir travailler ensemble et affronter les choses, ils se sont retrouvés là où c'était nécessaire, à la première station-service où ils ont pu se rencontrer. Et je pense que ça a été un message important, même pour ceux qui, ces jours-là, étaient un homme ou une femme en uniforme qui était en train de travailler, ou ceux dont la maison était inondée, ou ceux dont le village était inondé. Donc nous, en repartant de ce lieu, il faut que nous retrouvions cet esprit. Je ne veux plus que lorsque les journaux télévisés font la liste des problèmes politiques, ils listent 4 ou 5 thèmes thématiques, la politique étrangère, la politique des migrations, la finance et les inondations en Romagne. Ça doit se terminer. Je veux que ça se termine tout de suite. Chacun doit y mettre du sien. Moi, j'y mets du mien. Il faut des mots vrais. Il faut la capacité à travailler ensemble. Il faut que quiconque ait une bonne idée puisse le dire sans se faire accuser d'instrumentaliser ou de défendre qui que ce soit. Hier, nous avons fait une réunion. Il y a des ressources pour rembourser les dépenses qui ont été avancées par les organismes publics. Il y a des ressources pour programmer des travaux sur le plan stratégique pour augmenter la sécurité hydrogéologique de ce territoire. Le centre de Ravenne a été sauvé grâce à une œuvre hydraulique faite par un cardinal au XVIIIe siècle qui a arrêté
les inondations qui, à cette époque, dévastaient le centre de Ravenne. Et ça a été quelque chose d'unique qui a évité les pires scénarios. Donc nous avons besoin de faire un grand saut dans cette direction et nous avons les procédures et il faut avoir toutes les ressources qui servent pour cela. Il faut nous dire qu'on a besoin de tout autant de ressources qui n'ont pas encore été dégagées et là il faut parler aussi, vraiment il faut indemniser. Vous avez raconté des histoires émouvantes et c'est évident qu'à chaque moment dramatique de notre vie, nous devons avoir la force et la capacité d'en sortir renforcés, de mieux comprendre quels sont les aspects réels et vrais qui comptent dans nos vies, de ce qui est superflu. Décider par exemple de ce qu'il faut jeter et garder. Vous l'avez fait avec vos objets, mais on pourrait le faire de manière idéale avec les nombreux aspects qui concernent nos vies. Qu'est-ce qu'on doit garder et de quoi est-ce qu'on peut se passer ? Mais il est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'épreuves parce qu'il y a eu la pandémie, voir les bombes en Europe, c'est aussi dramatique. Donc, des occasions de progresser, on en a beaucoup. Mais il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de belles expériences en ce moment, de personnes qui ont trouvé des réponses, mais il y a aussi beaucoup de situations dramatiques, vraiment dramatiques. Des familles avec 100 000 euros de dégâts et 100 000 euros de prêts à la banque. Des jeunes adolescents qui avaient déjà des difficultés, des problèmes. J'ai rencontré des jeunes qui viennent de passer le bac et en 5 ans, ils ont eu le Covid et ensuite les inondations dans des années difficiles de leur vie. Donc, nous devons étudier les mesures à partir de la famille la plus fragile, pas à partir de la plus résiliente. Il faut partir des familles les plus fragiles. Donc ce que je souhaite, c'est que dans une station-service à Rome, à la mairie, où que l'on veuille, on puisse se retrouver l'esprit du travail commun, utiliser des mots vrais et que chacun, le soir, avant d'aller se coucher, se demande seulement si, dans sa journée, il a fait tout ce qui était dans ses possibilités pour affronter cette urgence et pour redonner la sérénité de dormir chez soi et les ressources pour pouvoir programmer sa vie. Merci. Merci. Merci à Michele Pascale, Di Pascale, qui nous a relancé aussi sur le fait qu'on a besoin d'une méthode pour affronter ces thèmes. Je pense que le moment est venu de donner ce que nous avons écouté au général Figliolo de façon virtuelle, bien évidemment. Nous ne lui demandons pas de tout résoudre à l'instant, mais voilà, on lui confie tout ce qu'on vient d'écouter. Et on remercie. Bon après-midi à tous. Je remercie le directeur et le modérateur Emanuele Forlani pour son invitation à cette discussion qui est vraiment intéressante. J'ai entendu de beaux témoignages. Madame Veronica Missoni et Monsieur Lorenzo Bernini et Don Lorenzo Poli. J'ai lu il y a quelques jours que vous avez dit « Les gens sont prêts à donner, ils sont créatifs et passionnés ». Cette phrase que vous avez dit, Monsieur le curé, m'a beaucoup touché parce que c'est un peu le thème de ces rencontres ici au meeting qui sont liées à l'amitié et à la solidarité et au fait donc d'être une communauté, de former une équipe. Comme a dit tout à l'heure De Pascal, je passe le bonjour aussi à M. Battistini, le directeur de la Chambre de commerce, pour les données qu'il nous a dites, énoncées tout à l'heure, et pour tout ce qu'il est en train de faire,
pour ces micro-entreprises. Et j'ai aussi entendu son message. Il nous a dit, nous avons vu les photos et nous sommes à l'écoute. Bien évidemment, nous sommes en train de chercher des instruments rapides, mais il faut aussi avoir des procédures et des méthodes qui soient cohérentes avec les principes et les systèmes de l'État dont nous faisons partie. Une amitié qui déborde, une solidarité qui reconstruit. Je dois dire que ce sont des mots que le président de la République a rappelé ce matin lorsqu'il parlait de nos situations qui sont basées sur une coordination sociale, sur le principe de solidarité. Ma pensée, bien évidemment, va aussi à tous ceux qui ont perdu la vie à cause de cette inondation, à cause de cette tragédie qui a touché notre région. Et aussi à tous ceux qui encore en subissent les conséquences, dont tous les gens qui sont encore en dehors de leurs habitations, comme Madame Véronique avec ses enfants. Pour moi, cela est un élan pour faire plus, pour chercher toute solution avec les gens du territoire afin de pouvoir dépasser, affronter dès que possible toute cette urgence et nous mettre en chemin sur la reconstruction. Depuis mai de l'année dernière, on a eu des précipitations qui sont 3-4 milliards de mètres cubes d'eau. D'habitude, on en utilise 3 ou 4 milliards de mètres cubes pour l'irrigation de toute l'agriculture. Moi, je dois vous confier que dès le début, dès les premières phases, j'ai participé de façon active parce que en tant que général et commandant responsable des urgences, j'ai reçu un appel du ministre Crocetta qui m'a dit déployer tout ce que les forces de l'ordre ont à leur disposition afin d'aider ces gens. Et c'est pour ça que nous avons tout de suite agi avec les pompiers, avec la police, les forces de l'ordre, les gendarmes. Tout le personnel, avec passion, on essayait de se mettre au service de nos citoyens. On a eu des hélicoptères, des bateaux, afin de donner un support logistique, mais également et surtout pour secourir les personnes, les animaux, pour remouvoir les morceaux, les ruines. Et bien sûr, en collaborant aussi avec les bénévoles qui sont venus, nous nous sommes mis à l'œuvre. J'ai vu énormément de jeunes, des adolescents, des lycéens de terminale qui ont laissé leurs livres sur lesquels ils étaient en train d'étudier, de réviser, afin de se mettre au service de la communauté. Et nous avons vu donc des témoignages qui nous ont tous touchés de façon profonde. En juin, j'étais chargée en tant d'être le commissaire extraordinaire pour cette mission de reconstruction. Et je dois vous dire que le président du conseil, Madame Meloni, est en train de donner la priorité absolue afin que l'on puisse sortir de cette urgence, afin que l'on puisse reconstruire et retourner à une normalité. Comme vous savez, en ce moment, nous avons déployé
4,5 milliards d'euros, dont une partie est dans mes mains. Et comment est-ce que nous sommes en train de les utiliser? Nous avons fait des actes préparatoires. Tous les jours, nous avons eu des réunions avec les gens du territoire. Nous voulons travailler en équipe parce que c'est l'urgence qui nous le demande. C'est ce que nous apprenons dans ces situations d'urgence. Les urgences sont des risques très graves qui arrivent de façon subite et qui ont besoin de réponses immédiates, mais aussi qui ont besoin de beaucoup de compétences, différentes compétences. Il n'existe pas une seule institution, une seule personne qui soit capable de résoudre ces problèmes. Je aimerais faire un parallèle avec le commissaire qui a été chargé de l'urgence au moment du Covid, parce que là aussi, à ce moment-là, nous nous sommes mis en équipe et tout le monde a collaboré, non seulement les institutions du territoire, mais tous les bénévoles, les situations. Et l'Italie est devenue un benchmark mondial pour ce qui concernait, par exemple, les vaccinations. Donc, mon principe, c'est celui de la synergie avec le territoire, en commençant par mettre en sécurité le territoire. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour l'instant? On a fait une reconnaissance de lieu. On a agi là où il y avait une urgence réelle. Aujourd'hui, j'ai publié un acte qui deviendra opérationnel pour la restauration des villes et des communes. Nous parlons de plus de 2500 interventions qui auront lieu pour qui coûteront environ 2 millions d'euros. Et il y a 90 millions d'euros qui seront déployés par la suite pour restaurer toutes ces communes. On a besoin d'interventions pour les nécessités les plus urgentes. C'est ce que Madame Veronica nous disait tout à l'heure, il faut vraiment mettre en sûreté le territoire pour tuteler la communauté. Hier, nous avons eu la réunion technique. Aujourd'hui, nous avons eu une autre réunion pour ce qui concerne la région de la Toscane et des Marches, qui ont aussi été touchés par cette inondation, même si en mesure mineure, mais elles ont aussi besoin d'être mises en sécurité. Et on parle donc de 448 millions pour l'année 2023 qui ont été dédiés à cette reconstruction. Et bientôt, je ferai une ordonnance qui permettra aux sujets principaux, protagonistes, d'intervenir. Et il y a aussi les entreprises et les familles qui ont été rappelées. On continue à donner un soutien aux familles, environ 3 000-4 000 euros par famille. Bien évidemment, pour ceux qui ont eu plus de 100 000 euros de dégâts, c'est bien peu, mais en ce moment, je vous dis ce que nous sommes déjà en train de faire. Donc, nous sommes en train de donner cette aide financière aux familles. Nous sommes en train d'offrir des logements aux familles qui ont été délogées. Et j'aimerais vous dire qu'au début de septembre, nous aurons
lieu, nous mettrons en acte l'ordonnance qui permettra aux familles de recevoir les instruments utiles pour quantifier les dégâts qu'elles ont subis. Donc, nous ne donnerons pas directement le remboursement aux familles, mais nous déploierons les instruments et les états des lieux pour voir, pour quantifier les dégâts que les familles ont subis. Mais le président de la République a dit que les familles recevront un remboursement total. Donc, une fois que nous aurons les données précises, nous donnerons l'argent aux familles. Et par la suite, il y aura des interventions de plus grande ampleur. Et c'est ce que demandait tout à l'heure Baptistine quand elle disait vers où nous voulons aller. Donc là, on parle de toutes les mesures qui concernent les biens culturels, les infrastructures de routes. Il faut trouver des solutions qui permettent de limiter un maximum l'impact de ces phénomènes, étant donné qu'il pourrait ne plus s'agir de phénomènes exceptionnels. Nous n'avons pas de statistiques qui concernent ce genre de phénomène. C'est parce que dans les dernières 200 ans, on n'a pas eu énormément de ces phénomènes. Mais il faut reconstruire le territoire afin d'être en mesure de résister face à ces phénomènes. Donc, on ne peut pas le prévenir, bien évidemment, mais on peut l'atténuer. Tout à l'heure, on a parlé d'un canal construit en 1700 qui a permis de mitiger, d'atténuer l'impact à Ravenna. Donc, nous pouvons penser des solutions de ce genre qui nous permettent de nous adapter au changement climatique. Monsieur Battistini le disait tout à l'heure, il faut aussi une digitalisation, un réseau de communication. Et pour faire cela, quelle est notre stratégie? À quoi sommes-nous en train de penser? Nous sommes en train de voir quels sont les besoins du territoire, mais également nous sommes en train d'opérer, de collaborer avec des groupes de travail. Et pour cela, j'ai récemment signé des collaborations avec les universités de notre région. Et je remercie les recteurs de ces universités parce que nous avons vraiment besoin de la collaboration de la science, de ceux qui savent. Et donc, grâce à eux, nous aurons un cadre complet des besoins du territoire et quelles seront les perspectives pour notre territoire dans un futur proche et lointain. Et quelles sont aussi les technologies qui pourront nous venir en aide. Nous mettrons, nous déploierons l'expérience, nous utiliserons l'expérience des gens qui se sont toujours occupés d'une bonification du territoire. Donc, nous voulons procéder grâce à la collaboration de tout le monde. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas faire face à ces situations d'urgence. Il faut se mettre en équipe. Moi, j'ai parlé surtout de ressources économiques, mais bien évidemment, il ne s'agit de rien, d'une toute petite goutte si ensuite elles ne sont pas déployées, mises en acte par des hommes et des femmes qui ont des valeurs d'amitié, de solidarité, de générosité, d'attention et d'élan vers un bien commun, qui ont cette attention à ne laisser personne en dehors, à la traîne. J'ai un peu visité le meeting, les thèmes, et ces thèmes reviennent souvent, par exemple dans l'exposition sur la montagne où il y a la cordée, il y avait une photo de
ce père et ce fils qui suivaient son père encore. Donc nous devons être rapides, mettre des règles, mais n'oubliez personne, ne laissez personne en arrière. Donc j'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir ces initiatives en donnant, faisant. Et quelqu'un m'avait dit, commissaire, c'est toi qui as le portefeuille des donations. Et moi, je dis oui, mais j'aurai accès à l'argent des donations à partir du 10 juillet, parce que c'est le jour où je suis rentrée en charge. Avant, les donations qui sont arrivées avant, elles sont en main à la région et la région est en train de les utiliser pour amener à la caisse les voitures qui ont été rendues inutilisables par l'inondation. Mais j'aimerais aussi citer d'autres interventions, celle qui est faite par l'Enel, qui est une société énergétique d'énergie ici. Il y a énormément de réalités locales qui sont en train de rentrer en contact avec nous pour se mettre à disposition. L'Enel, par exemple, nous a donné une petite part en tant qu'entreprise, mais il y a également beaucoup d'employés de l'Enel qui ont donné de leur propre poche. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'émouvant, de beau. Donc, je viens à la conclusion. Notre territoire a une très grande importance. Nous avons entendu son importance économique, mais moi, j'aimerais souligner son importance du point de vue humain. Ici, vous êtes vraiment extraordinaire. Je vois des gens extraordinaires. Ce que j'ai vu ici, c'est que tous ceux avec qui se sont plaints, qui m'ont dit quel était leur problème, l'ont toujours fait avec une très grande dignité, en maintenant le calme. Moi, je suis sûre donc que en se mettant en équipe, en poursuivant un même objectif, nous en sortirons. Et même si c'est un peu difficile à dire, mais nous le verrons comme une opportunité, peut-être même. Et peut-être nous transformerons cette région en la faisant devenir un modèle de comment il est possible de faire face à ces urgences, à ces drames qui nous viennent du changement climatique. Merci. Merci au général Filolo. Bien entendu, je n'ai rien à ajouter parce que je pense que chacun d'entre nous peut recueillir les nombreuses interventions que nous avons entendues ce soir. Je me permets simplement de suggérer un passage juste avant d'aller à la librairie du meeting où il y a un livre dont l'auteur est assis ici à cette table parce que le père Léo n'est pas seulement un prêtre, mais c'est un petit éditeur. Non, je plaisante. Il a publié un livre où il a raconté ce qui s'est passé. Je veux vraiment remercier tous nos invités, en commençant par le général, mais tous ceux qui sont intervenus. Je crois que c'est un très bel exemple, ce que nous avons entendu, de ce que nous avons essayé de montrer pendant ce meeting. Il n'est pas terminé. Il y a encore d'autres rendez-vous avant ce soir. Donc déjà, merci à tous et bonne continuation.
civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.